Pour faire rebondir mon lutin, je vais choisir dans les commandes de mouvement une commande qui s'appelle « Choisir le style de rotation, position à gauche ou à droite ». Et je vais lui dire de faire des angles aléatoires entre 1 et 50 degrés en utilisant la commande « Se diriger en faisant un angle 2 » et en prenant une commande dans les opérateurs qui s'appelle « Nombre aléatoire entre 1 et 50 ». Je vais ensuite prendre une boucle, répéter indéfiniment et y placer « Avancer de 10 pas ». Et je vais dire à mon lutin de rebondir si le bord est atteint. Et là, si j'exécute mon script, je vois que ma chauve-souris rebondit dès que le bord est atteint.